Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau vlog. Je suis mais grave dégoûtée. Je me suis levée super tard. Je me suis levée à 10h30. Là, il est exactement 11h. Bon, en même temps, hier avec Ayoub, on a travaillé. À 4h du matin, on s'est dit bon, on va quand même dormir parce que là, il est tard. À 2h du matin, on s'est préparé à manger. On avait faim. Bref. C'est n'importe quoi, je vous jure, c'est n'importe quoi. Franchement, le réveil ce matin, il a piqué. Moi, je suis dégoûtée parce que bah, là, je me suis grave retardée sur ma journée. Mais bon, c'est pas grave. Parce qu'en fait, j'avais prévu des choses pour aujourd'hui, des rendez-vous, tout ça. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est férié. Donc, j'irai tout faire demain. Et puis, bah, aujourd'hui, ça va être une journée maison. Donc, en attendant, je vais vous laisser. Moi, je vais me lever tranquillement. J'ai répondu à tous vos commentaires sous mes deux dernières vidéos. Et j'ai envie de faire un petit live sur Instagram. Donc aujourd'hui ça va être une journée vraiment tranquille. N'est-ce pas Cacahuète? Ouais, ça va être une journée tranquille. Ça va Ayoub? Ouais, ça va et toi? Ouais, le réveil il était dur ce matin. Ah de ouf. On a dormi trop tard hier. Bah ouais. Non mais faut pas qu'on se couche à cette heure-ci, sérieux hein. Ouais, on a dormi trop tard. Ah là là, qu'est-ce que t'es beau. Bon, il te va un petit peu grand, tu trouves pas? Oui. Bon, c'est pas très grave. C'est l'ensemble que ma soeur elle lui a pris, vous savez, en Espagne, que je vous ai montré dans le vlog d'hier. C'est aussi la casquette d'Espagne. C'est vrai qu'elle est jolie la casquette. Ah, il donne aussi là, non? Non. Mais c'est en noir. Ouais, il l'a en noir. T'aimes bien? Oui. T'es qui? Messi. T'es Messi? Ça te va bien en tout cas. Hein. Est-ce que je suis folle? J'ai ressorti le peignoir. Bon, il fait pas froid hein, parce que là en regardant comme ça, vous allez vous dire mais est-ce qu'il fait froid? Non, mais il fait quand même un petit peu frais. Bon, je suis presque prête, mais le truc c'est que je trouve pas de chouchou en fait pour mes cheveux. Je sais pas où est-ce que je les ai mis. J'ai des gros chouchous, des petites barrettes, mais mes tout petits chouchous, je sais pas où est-ce que je les ai rangés. Donc je vais demander à ma mère si elle a pas un chouchou à me dépanner parce que là je vais pas rester comme ça et j'ai pas envie de me détacher les cheveux. Aujourd'hui je me suis pas maquillée, bon ça fait maintenant bien 2 semaines que je me maquille plus trop, même mascara, rien du tout, je mets juste mes crèmes, je nettoie mon visage et puis c'est tout. Bon après j'ai pas des choses exceptionnelles pour me maquiller, même si j'aime me maquiller, j'aime bien avoir un beau teint. Bon là le teint il est pas forcément très unifié mais c'est pas grave. Bon là je suis à Jiffy, je suis avec ma mère, j'ai un bon d'achat, ça fait à peu près une semaine et demie que je l'ai mais je suis toujours pas venue et en fait j'attends de venir avec Ayoub pour qu'on choisisse ensemble ce qu'on veut pour l'appartement en Espagne. J'ai trouvé des choses super jolies, ils ont vraiment des beaux trucs au niveau des meubles. Par exemple cette petite chaise, je la trouve vraiment super belle. J'ai flashé sur des jolies choses, des cailloux. Bah, il a un petit moment, on viendra faire un petit tour. Je vais vous montrer un truc qui m'avait intéressé, mais je sais pas, je suis encore en train d'hésiter. C'est en fait ce canapé là, je voulais en prendre deux pour l'Espagne. Mais ça, ça irait bien dans le salon. Ça va maman? Ouais, je crois que c'est ça qu'elle voulait, Dunia. Dunia? Ouais, bah, je l'ai filmé, je lui ai envoyé, je vais voir. So smart. Et c'est quoi en fait? C'est un balai que tu plies pas. Tu as le seau, ouais. Et tu remplis d'eau et puis tu mets le produit je pense et tu mets direct comme ça, ça t'enlève les sales qui regardent là, la publicité. Oh, très bien. Mmh. Ah c'est pratique ça. Ouais, voilà. Franchement ils ont fait des trucs super bien à Jiffy. Hein. Mmh. Oui, il est joli celui-ci. Ah, celui-là il est pas mal, mais mieux pour l'autre. Ouais, j'aime beaucoup. Il est doux. Ouais. Mais il a combien? Je sais pas. Il n'y a pas le prix. Je vois pas le prix. Non. En plus, pour les VIP, il y a moins 70%. Ça, c'est bien. J'ai ma carte, moi aussi, avec vous. Avec Jiffy? Ouais. C'est vrai? Je te jure. Bah, tu peux avoir des bonnes promotions, regarde je ça. Sais. Ça, c'est pas mal. Ça, ah oui mal. Ah oui, ça, c'est joli, effectivement. Ouais, c'est grave beau. Il est à combien? 35 €. Je crois qu'il revient à moins 40%. Non. Si, moins 40% avec le truc VIP. C'est bien dans une chambre comme table de nuit. C'est vrai, ouais. Deux comme ça. Ouais, c'est super ouais. Joli. Magnifique. En plus, ils sont pas chers ceux-là. Ma mère, elle a trop aimé Jiffy. Ouais. Non, il est bien celui-là. Ouais, celui-ci, il est bien. Il a Servon. Et j'ai envie de prendre trop de trucs, mais j'attends Ayoub comme ça, on choisit ensemble. Ma mère, elle me montre déjà en me disant ça, ce serait intéressant, ça, ce serait intéressant. Ça y est, ma mère, là, elle est dans son monde, là. Ouais, c'est magnifique. J'adore tout ce qui ça fait un peu oriental. Ouais, c'est vrai. Ceux-là, je les ai, maman, je les ai. Enfin, j'ai pas les bols, mais j'ai les assiettes. J'ai celle-ci, moi. J'ai aussi pris des petites comme ça.
Il y a vraiment des jolies choses. Ouais. Là, je suis juste en train de pister un petit peu ce que j'aimerais prendre. Et ensuite, je reviendrai très rapidement avec Ayou. Mais... Moi, j'adore. Ah, moi, c'est fou, j'achète tout. Ça, mais tellement que j'en ai, alors je ne sais plus où stocker. Ouais, c'est exactement ça. C'est vrai, ça, c'est ton un problème. Mon père, il me voit, il me dit, tu sais où tu les as achetés, ceux-là? Je ne veux pas les rendre. Non, non, comme ouais. Ça. Non, il est au bled. Hein. Ah. D'accord. Ça, c'est bien. J'en ai un comme ça. Pour le miel, là. Ouais, j'en ai pris un. Alors, faut vite que j'utilise mon bon parce que j'ai tellement peur que ça se périme. Faut qu'on vienne rapidement. Moi, maman, tu peux m'aider à choisir des rideaux. C'est mignon. Ouais, c'est joli, ça. Ouais, carrément, c'est mignon. Mais moi, j'aime beaucoup ce qui est en haut. Genre ça. Ça, c'est vraiment le style de décoration qui passerait super bien à l'appartement. Trop marrant, je dis à ma mère, ça j'aimerais bien dans une chambre poser un petit tapis comme ça. Et après elle me dit, mais non, tes chats ils vont gratter. Je lui dis, mais maman, en Espagne je vais pas ramener mes chats. Parce que ça c'est vrai, c'est le tapis des chats, ça ils aiment tellement ça. Mais bon, en Espagne j'aurais pas mes chats avec moi, donc ça c'est joli. Au niveau des meubles, j'ai kiffé. Franchement, je vais vous montrer, mais je suis juste super fan de ce qu'ils proposent là à Jiffy. Maman, regarde ça, c'est pas magnifique. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Ouais, au bord du lit, ouais. Les canapés, tout ça. Ce fauteuil, il est waouh. C'est vraiment le style que j'aimerais, vous savez, un petit peu espagnol, quoi. Et regardez les meubles ici aussi. Ça, c'est super joli, ça. Pour la télé. Pour la télé, exactement. Regardez la chaise, comment elle est trop stylée. Bon, là, on est venu au marché frais. On est en train de faire des petites courses. Bon, on repart à Jiffy. Parce que ma mère, elle aimerait prendre un truc pour ma soeur. Et ce balai qu'elle va lui prendre. Bon, j'ai pris le catalogue intérieur de Jiffy. Comme ça, je regarderai tranquillement posé à la maison. Et je suis hyper surprise parce que je viens de voir qu'ils font des locations de voitures. Et ça, c'est génial. Ils font même des locations pour déménagement, tout ça. Parce que nous, on aura besoin d'un camion. Donc, c'est trop bien. C'est trop trop bien, je savais pas du tout. Dounia va être trop contente. C'est génial. Alors, t'as bien aimé Marché Frais? Oui. Mmh. Ouais. Mmh. C'est vrai qu'il y a des promotions. Oui, faut juste prendre le temps de voilà. Chercher. Faut pas dire venir, on va sortir tout de suite. Ouais, c'est non, ça. Il faut bien regarder, vérifier les prix. Mais après, t'as des trucs, ouais, ça cher. Vaut pas la peine. Parce que ça reste le même prix que Auchan, Leclerc. Mais t'as des trucs où t'as des petites promotions à droite à gauche et finalement tu fais de bonnes courses quoi. Bon, ça y est, on est bien rentré. Moi je vais juste vérifier si j'ai pas reçu du courrier. Et bah non. Est-ce qu'on en parle? Il est déjà 5h et j'ai rien mangé. Donc je vais me faire un petit sandwich, un petit truc comme ça. Et ensuite je vais me mettre au travail. Bon, voilà ce que je me suis préparé. Deux sandwichs avec des petites olives. Je vous reprends bien plus tard dans la journée parce que là il est 21h. Je viens tout juste de terminer de travailler. On est rentré vers 17h. Ouais, 17h c'est ça. Puis j'ai pas rangé les courses. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Bon, j'ai pas pris grand chose mais je vais quand même vous montrer avant de ranger. Pour commencer, j'ai pris des petits pains comme ça en fait que je vais mettre tout de suite au congélateur. Grisouille, merci, c'est gentil mon bébé. Tu veux dire bonjour et se fait de dire bonjour tout le monde. Attends Grisouille. Donc ensuite j'ai pris manger pour les chats, j'en ai pris deux comme ça, voilà. Après j'ai pris des steaks aussi que je vais aller congeler, ils étaient à moins 50%. Qui étaient en promotion, c'est pas périmé, il reste encore un mois de délai, je vais mettre ça dans le congèle. Ensuite pour les toilettes, j'ai pris ce produit là, parce qu'il m'en restait plus du tout. Et j'ai pris des petits gâteaux Milka, voilà, que je trouve super bons. Bon, là c'est le petit moment pause on va dire. Il est 21h15, je vais voir un petit peu parce que j'ai très soif. Et je vais répondre à des commentaires, je vais lire vos commentaires sur un petit peu tous les réseaux. Franchement vous êtes trop des amours, mais vraiment, vraiment, vraiment. Je vais aussi pas tarder à commencer à préparer à manger parce que je pense qu'Ayoub il va arriver d'ici une heure et demie. Bon, j'ai encore le temps. C'est vrai? Elle s'appelle Imen? Ouais. Ah, c'est trop mignon. Trop mignon, il est au McDo de l'aéroport, je crois, d'Orly ou de Charles de Gaulle, je sais pas. Et il y a une abonnée qui est partie le voir. Donc Imen, si tu passes par là, gros bisous. Bon, il est 22h34. Ayoub, il n'est toujours pas rentré. Je lui ai préparé son assiette.
J'ai un coup de mou là, fatal, mais clairement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter le vlog. Comme ça, je vais essayer de pas me coucher trop tard ce soir. Et j'ai préparé ma journée de demain. Demain, c'est trop bien parce qu'il y a le monsieur qui vient installer la fibre. Donc je sais pas si la fibre, on l'a de suite ou faut attendre. Mais je sais qu'il vient installer la fibre et ensuite, tout ce qui est modem, etc., c'est à nous de le faire. Et après j'ai des rendez-vous que j'ai voulu en fait mettre le matin mais que j'ai déplacé à l'après-midi. Donc j'espère que je vais avoir le temps d'aller faire ce que j'ai à faire. Parce qu'ils m'ont dit qu'il va venir entre 11h et 14h. Et ils m'ont dit que l'installation dure en moyenne à peu près 1h30 à 3h. Ça me paraît quand même énorme. Donc je sais pas. Bref, on verra ça demain. J'ai tellement hâte parce que ma dernière vidéo, elle a mis 13 heures à charger sur YouTube. C'est incroyable. Franchement, c'est un truc de fou. J'ai eu des fois des 48 heures à charger. Donc là, le fait d'avoir la fibre, j'espère que ça va nous changer la vie, que ce soit pour nous, pour le travail, ou que ce soit pour YouTube, ce serait cool vraiment. Bon, je pense que d'ici peu, on va partir avec Ayoub à Jiffy, parce que franchement, j'ai vraiment aimé pour le coup ce qu'il y avait au niveau de la décoration des meubles et tout. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer ce que je vais choisir. Pour vous donner une petite idée de la décoration que j'aimerais bien faire en Espagne, ce sera un peu style bohème. Style scandinave, ce sera un peu ce délire là que j'aimerais faire dans l'appartement. Mais j'espère surtout que le bon d'achat il va pas périmer. Mais je pense pas parce que ça fait une semaine et demie à tout casser que je l'ai. Donc je pense pas, mais vu que j'ai pas le temps en fait d'y aller, je pense que d'ici la semaine prochaine on va se caler une petite après-midi ou une petite journée pour y aller. Parce que cette semaine ça va pas être possible, je pense pas. Donc probablement la semaine prochaine je vous montrerai ce qu'on aura choisi. Et puis bah voilà, c'est tout. Je suis encore vraiment dans l'attente du dossier d'Espagne parce qu'on n'a toujours pas de nouvelles comme je vous ai dit. Et je vous cache pas, je stresse un peu. Donc, j'ai pas non plus envie de me dire que c'est sûr à 100%. De toute façon, c'est pas sûr tant que je l'ai pas. Parce que en attendant, j'ai toujours pas signé chez le notaire. Donc faut pas non plus que je m'invente des vies. On verra bien, et puis bah écoutez, voilà, moi je vais monter le vlog, je sais pas si je vous l'ai dit, et je vais regarder en même temps une petite série. Bah écoutez, voilà, donc moi je vais vous embrasser très très fort, je suis désolée, je suis toute molle là, mais il faut que je me pose un petit peu. Je vous embrasse très très fort, et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao !